Et salut tout le monde, c'est Sonka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous devez savoir, ça fait déjà 5 jours environ, un petit peu moins, que la nouvelle mise à jour est sortie. Et elle a rajouté le vol plané, qui est un nouveau mini-jeu. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce mini-jeu. Voilà. Donc, déjà, la particularité de ce mode, c'est qu'on peut jouer en solo. Donc, il y a le mode contre-la-montre et le mode score. Nous, on va faire le mode contre-la-montre. Donc, la mise à jour a apporté ce nouveau mode, ce nouveau mini-jeu. Et. Ok. J'ai débloqué. Oui, il y a eu des bugs. J'ai été refait à la toute première mise à jour. Et comme vous pouvez le voir, on a une jolie salle d'attente. Ouais. L'ancienne est en ruine, du coup ils en ont reconstruit une. Donc on va tout de suite. Donc il n'y a qu'une map, c'est caverne. C'est pas la map bataille, c'est une map, vous verrez là, je vais faire. Donc le but en mode contre-la-montre, bah, j'espère que vous comprenez, hein. Le but est de à aller à l'arrivée le plus vite possible. On a des boosts et on a des. Enfin, il y a des boosts un peu comme dans Mario Kart en fait, et on a des sources chaudes, de l'air chaud qui nous fait monter en fait. Donc, du coup, il y a de nouveau. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. J'arrive toujours à jouer, je me suis beaucoup entraînée. Vous voyez, voilà, déjà, il y a les nouvelles textures, c'est les textures des bordures sur PC, qui sont vraiment trop bien. Merde. Alors si vous touchez le sol, vous mourrez. Et comme vous pouvez le voir en bas, la barre d'expérience, c'est le circuit. C'est la progression du circuit. Et vous avez 3 cœurs. Au cas où si vous mettez un mur, vous avez une deuxième chance. Il y a des petits raccourcis comme ça. Voilà, un truc d'air chaud. Donc il y a des petits raccourcis de temps en temps. Là il y a deux passages par exemple. Tac. Hop, on passe là au KLM. Hop, voilà, il y a un autre passage. Donc voilà, ça fait un peu. Ça diversifie un peu le jeu. Par y a une musique qui ressemble à celle du culbut aussi, mais je crois que ça m'avait désactivé. Et là, la map bataille. On survole la map bataille et c'est vraiment stylé. Hop. Là, on tourne. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, la map. Hop là, 1 minute 54, on peut mieux faire. J'avais fait 1 minute 24, c'était mon meilleur score. On va essayer de faire le mode score. On va le faire en multijoueur parce que c'est beaucoup plus drôle. Et comme le culbute et la bataille a évidemment un mode multijoueur. Oui. Ok, comme tu veux. Et voilà le mode score qui est vraiment très très sympa. Le but c'est de rentrer dans des anneaux, lol, pour certains pervers. Et le but est de rentrer dans des anneaux. Hop, est-ce que. Oui. Ah, le gros PD! Ok. Le but c'est de rentrer dans les anneaux, lol, et de comment dire, marquer le plus de points. Voilà. Les anneaux verts c'est 3 points, les jaunes c'est 5 et les bleus je crois c'est 7. Voilà.
Oh, vas-y, ça va faire ça maintenant. Je peux pas faire de coupure. Sinon, je vous montrerai en solo, ça marche vraiment pas. Allez, marche, là, là, là. Ah, voilà. Là, par exemple, ah, ils viennent de commencer. Bah, c'est super. On a le mode spectateur, voilà. Et en fait, il faut rentrer dans les anneaux comme ça. Bon, lui, il s'est laté comme une merde, mais on a d'autres, ils réussissent bien. Enfin, lui, faut pas dire que c'est le meilleur. Ah oui, ils sont trois. Ah, ils sont trois, carrément. En fait, ils sont trois sur la même console. Ok. OKLM. Donc le gars, c'est... Ouais, ils vont se taper dessus à la fin. Bon, ils ont pas l'air très bons. Après, je suis peut-être mauvaise, moi. Vous voyez, le but, c'est de rentrer dans les cerceaux jaunes et tout. Bon, là, ils sont vraiment nuls. Parce qu'ils ont égalité. Je sais pas si c'est bien de rester sur cette partie. Parce que le mode spectateur n'est pas vraiment intéressant. On va essayer d'aller dans une autre. Surtout qu'ils n'ont pas l'air assez bons. Donc, ils vont pas arriver très vite hein, à l'arrivée. Du coup, ça ferait perdre du temps à ma vidéo. Maintenant il va faire que ça et quand il m'aura. Putain, c'est abusé. Contre la montre. Ah merde, j'ai une contre la montre. À faire une déconnexion du serveur. Fais une déconnexion du serveur. Bon, c'est la partie commence. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En multijoueur, c'est assez stylé. Je vous ferai un deuxième épisode avec les anneaux parce que je sais pas avoir le temps. Puis je préfère la course, franchement, pour mettre la pâtée aux autres. Par exemple, là, après ça commence en 14 secondes. Ouais, je suis ta mère. Ta mère, la grosse pute, tu vas faire quoi? Ils arrêtent pas de taper. Tu peux frapper, évidemment. Je crois que ça fait ralentir. Ouais, ça faisait ralentir. Et donc, en bas, vous pouvez, à gauche, il y a les médailles. Ça vous montre le classement, fait. Par exemple, là, je suis deuxième. Parce qu'il y a un dragon, là. Qui, en plus, a le même skin. Maintenant, je suis premier. Hop là. Oh, ça, par contre, j'aime pas. Quand je frôle le sol, comme ça. Ah. Oh, RT, c'était triste. Non. Reviens ici, saloperie. Non. Saloperie! Depuis quand je loupe ça, moi? Ouais, putain, ils ont l'air bons en plus. D'accord, je tombe sur des gens qui sont bons, ben je suis nul. Ah non, c'est bon. J'ai rattrapé. Je rattrape. Au voilà, au KLM. Je rattrape, c'est bon. Ah, le gars est déjà à la fin, c'est au KLM. Je m'en fous, je rattraperai. Je me prends putain! Quand ils sont grisés en bas, ça veut dire qu'ils sont morts. Devant le point de contrôle. Donc oui, on a des points de contrôle, ça je vous l'ai pas dit, c'est les beacons en fait. Bon, lui il est déjà arrivé. Oh, ça m'énerve. J'essaye de prendre des raccourcis genre. D'habitude, je réussis à les prendre là et.
Oui, boum. Boum. Bon, une nuit de plus, mais bon. Et du coup, on passe sur la deuxième manche directement, quoi. Bon, allez, hop, on va terminer les trois manches là, parce qu'il y a trois manches. Je crois qu'on peut modifier ça, mais je sais pas comment. Selon le nombre de joueurs, je crois. Toujours trois. Cette fois, je vais leur montrer que je peux arriver premier. Ouh, comment l'enculé, j'ai failli me faire avoir encore. Voilà, ici je me rate pas. Ah, mais il y avait un passage ici, j'ai oublié, je le prenais tout le temps. Sa mère, mais comment il fait lui? Il se l'a jamais ou quoi? Non, putain. Mais pourquoi? C'est pas fait! Alors on va passer par le chemin là. Putain, me foutez pas de ma gueule là. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai une chance. Il s'est loupé. Merde, mais il est déjà rentré. Mais c'est pas logique. What? Ça rigole encore, les gars. Bon, bah, le temps de faire la dernière partie, je pense, et. Oui, il arrivera pas. Oh là là. C'est un des trucs les plus rageants, je crois. Bon, allez, dernière manche, cette fois-ci, on la gagne. Ça, on sera peut-être le gagnant. Faut que je batte le record 1 minute 33. Alors, déjà, on est à 30 mètres par seconde, c'est déjà bien. What? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais me prendre le mur à cause de lui, non? D'où quoi? D'où? Non, tu prends pas les murs. Voilà! Ah putain, il est toujours devant. Putain, il est fort. Lui, il est fort. Ah, il rigole pas. Bon, j'ai l'impression que par là, c'est mieux. Je suis vraiment une grosse quiche. Lorraine. Putain.
Mais accélère, toi, putain. Ah, j'étais premier. Non! Non! Ah, il y a un gars qui a rejoint la partie. J'ai perdu du temps là, c'est bon, j'ai encore perdu. Que je ne gâche pas cette occasion de gagner. Ce serait juste parfait. Allez! Allez!